Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 84. Dans la dernière vidéo, tu avais vu que j'avais fait sur mon affichage donc au niveau de l'écran menu où j'avais affiché donc ma consigne en degrés Celsius et j'avais marqué 15 C, mais il me manquait ce symbole là qui veut dire degré. Donc moi je voulais afficher 15 degrés Celsius et pas 15 C. Donc ce que tu vois à l'écran là ce sont des caractères spéciaux. Pour pouvoir mettre des caractères spéciaux sur un écran LCD avec l'Arduino, il faut rentrer soit un code binaire en 8 bits ou le Chiffre qui représente le symbole spécial. Donc, ici, là, tu as le code binaire 8 bits dont la valeur est 223 et cette valeur sur ce type d'écran LCD là renvoie à ce symbole là. Chacun des symboles que tu vois a un code binaire qui est propre. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer, on va apprendre à convertir le code binaire en nombre normal et donc, bien sûr, ça pourra marcher dans l'autre sens. Donc, on va voir que c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de savoir faire des multiplications par deux et de savoir faire des additions. On va aussi apprendre à partir du tableau du Dada sheet où il y a les caractères spéciaux comment à partir d'un de ces caractères on arrive à trouver le code binaire en 8 bits car c'est avec ce code binaire ou la valeur numérique de ce code binaire que l'on va pouvoir afficher avec une fonction de programmation ce caractère sur l'écran LCD que l'on aura raccordé sur l'Arduino. Donc l'écran LCD que l'on utilise, donc un datasheet et sur le datasheet que l'on avait déjà vu sur mes vidéos où je montre la première fois l'écran LCD. Donc c'est celui-là, c'est LCD alpha numérique 12 par 2. Donc on avait pu remarquer qu'à un moment donné sur le datasheet, il y avait un grand tableau avec des caractères et c'est vrai que la première fois où je t'étais tombé dessus, je me demandais comment est-ce qu'on faisait pour s'en servir. Donc on le voit, c'est ce tableau-là. Donc ce tableau-là, il est pas très lisible, je vais prendre l'autre datasheet. Donc l'autre datasheet, c'est celui-là, donc tu marques euh, Tachite écran LCD sur Google et tu tombes là-dessus. Donc, euh, comme tu peux le voir, là, le tableau, il va être beaucoup plus lisible. Donc, c'est celui-là, on y arrive. Voilà. Donc, ce tableau-là, il est beaucoup plus lisible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, là, tu peux voir que ici, là, il y a mon symbole degré Celsius. Donc, tu peux le voir ici, là, ce symbole degré Celsius. Donc, tu vois que ce symbole-là, il est sur la ligne qui est ici, là, et il est sur cette colonne-là. D'accord? Et donc, tu vois que, donc en haut de la colonne, tu vois qu'il y a marqué H, H, L, H. Donc ça c'est l'anglais ça veut dire Height, Height, low Height Donc c'est un mot que l'on connaît déjà avec les broches numériques de l'Arduino. C'est l'état haut, l'état haut, l'état bas, l'état haut que l'on peut traduire 1 1 0 1. Donc ça c'est du code binaire Ici c'est du code binaire en 4 bits. C'est ce qu'on appelle les bits de poids fort upper 4 bits. Et donc ici là sur cette ligne là, on peut lire qu'il y a marqué h h h h que l'on peut traduire par donc 1 1, 1, 1. un 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 bit donc euh, au niveau du langage machine c'est un 0 ou un 1 c'est comme ça que communiquent les machines avec des 0 et des 1 et comme on avait pu le voir sur les vidéos sur l'écran LCD les bits de poids fort se mettent à gauche et les bits de poids faible se mettent à droite donc pour y voir plus clair j'ai fait un petit tableau là sur Google Sheet là le tableur de Google sur Google Drive donc ici chaque colonne va représenter un bit donc là on a un bit deux bits trois bits quatre bits cinq bits six bits 7 bits, 8 bits, car comme on l'a vu sur l'écran LCD, l'écran LCD pour que l'on puisse afficher des caractères a besoin de 8 bits de 8 fils, sauf que nous on avait fait un câblage en 4 bits, 4 fils, parce que au niveau de l'ordre du neuro, donc les données étaient envoyées sur 2 fois 4 bits et j'avais dit que ça allait deux fois plus lentement qu'une connexion en 8 bits, mais que sur de l'affichage sur un écran LCD ça n'avait pas d'incidence, en tout cas c'est ce qui a marqué dans le bouquin et on a pu constater dans les vidéos précédentes que les menus bougeaient d'une manière très fluide donc à droite on a ce qu'ils appellent le lower 4 bits, donc ça c'est le bit de poids faible, donc c'est les quatre premiers bits là, 1, 2, 3, 4. Et après, on a les bits de poids fort, donc 5, 6, 7, 8. Donc là, on voit que ici, là, il là, y a mon symbole degré, tout à ma gauche là, j'ai les bits de poids faible, et les bits de poids faible sont H, 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 donc état haut, état haut, donc c'est 1, 1, 1, 1. Donc j'ai 4 sur les bits de poids faible. Et donc comme je l'ai dit, là, mes bits de poids faible sont ici. Donc là j'ai marqué mes 81. 1 Donc 1, 2, 3, 4. J'ai mes 4 bits de poids faible. Et donc il me reste mes bits de poids forts. Donc je monte la colonne. Et là on voit que les bits de poids forts, donc bits de poids fort, upper 4 bits, j'ai 1, 1, 0, 1. Donc j'ai bien 1. 101 1. donc là je viens de marquer mon symbole en code binaire sur 8 bits, d'accord. Après il faut faire le calcul pour convertir en nombre, nombre qui sera donc de 223 parce que grâce à ce nombre et avec un mode de programmation que l'on n'a pas encore avec l'Arduino qui est lcd.y, que l'on verra plus tard, on va pouvoir afficher le symbole sur l'écran LCD et bien sûr à la position où l'on veut. Donc maintenant on va voir comment est-ce que l'on convertit du code binaire en nombre normal. Donc, en réalité, quand je dis en nombre normal, c'est ce que l'on appelle une base 10. Lorsque l'on compte, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on utilise 10 chiffres. Lorsque tu passes à 10, 11, 12, tu utilises toujours les chiffres de la base 10, sauf que lorsque tu arrives à 10, donc tu vas passer de 9 à 1, ce 1, tu vas le décaler à gauche et tu vas rajouter un 0. Et après, tu vas continuer comme ça. Donc, rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 20. Mais dès que tu arrives à 19, tu vas mettre un 2, tu vas décaler à gauche, et tu vas mettre un 0, et tu vas repartir comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est un chiffre en base 10. C'est comme ça qu'on compte de manière générale actuellement. Mais les machines, elles, elles comptent sur une base de 2. C'est-à-dire que la machine, elle s'est comptée jusqu'à 1. quoi. Donc, elle s'est comptée jusqu'à 1 parce que, comme on a pu le voir avec les broches numériques de l'Arduino, lorsque la broche est à l'état O, donc, on va considérer qu'elle est à 1 et qu'elle recevra, donc, si c'est une entrée, le potentiel 5 volts. Et lorsque cette broche est à l'état bas, donc, lorsque c'est une entrée, elle va recevoir le potentiel 0 volts et donc, ça sera à l'état 0. Parce qu'on avait pu remarquer que l'écran LCD était raccordé avec 4 broches numériques configurées en sortie, donc, et qui allait directement à l'écran LCD. Et donc, le fonctionnement, c'était juste par des bascules 0,1 que ça affichait des caractères. Donc, ça, après, c'était la bibliothèque qui le gérait parce qu'on utilisait des lettres et des chiffres de base. Donc, là, on va utiliser des caractères spéciaux. Peut-être que la bibliothèque sait le gérer, mais nous on va aller directement chercher le code binaire pour pouvoir afficher le caractère que l'on veut. Parce que moi sur mon clavier, par exemple, je n'ai pas la lettre alpha, je n'ai pas le symbole homme, là on a le symbole du micron, là on a le symbole des flèches, là on a le symbole de l'ensemble, le symbole de la racine carrée, le symbole de pi, le symbole de bêta, donc ça après c'est des symboles mathématiques, le symbole de l'infini, le symbole de l'inverse. Donc moi tout ça je l'ai pas sur mon clavier, donc il faut aller les chercher, ces caractères spéciaux. Ces caractères Spéciaux, on le voit, ils sont là. Et le fabricant, en tout cas celui-là qui a fait la data sheet, nous les fournit, mais en code binaire. Donc c'est à nous après de savoir l'utiliser. Et les symboles qui n'existent pas, on peut les créer, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Et donc cette vidéo, ça sera la vidéo suivante, Arduino 86. Donc comment on fait pour compter C'est hyper simple. Donc là, tu vois que j'ai mis mes 8 bits. Il va falloir envoyer ce type de signal. Donc là, j'avais mis les chiffres en base 10, c'est-à-dire que le bit numéro 1, ça représente la valeur de 1. Le bit numéro 2, ça représente la valeur de 2. Le bit numéro 3, ça représente la valeur de 4. Le bit numéro 4, ça représente la valeur de 8. C'est-à-dire qu'on peut compter jusqu'à 8. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'avec un bit, tu peux compter jusqu'à 1. Parce qu'un bit, c'est 0, 1. Avec deux bits, tu peux compter jusqu'à 3. Donc, je donne un exemple. Ça sera beaucoup plus clair. Donc, si sur le premier bit, j'ai 0, ici, j'aurai 0. Logique. Si le premier bit est à 1, ici, j'aurai 1. Avec un seul bit, je ne peux pas compter plus. J'ai besoin d'un deuxième bit pour compter plus. Si le deuxième bit est à 1, ici, le premier bit est à 0, c'est-à-dire que son potentiel est à 0 volts, et eh bien, j'aurai la valeur de 2. Si le deuxième bit est à 1 et si le premier bit est à 1, je vais faire 1 plus 2, ça fait 3. Donc avec 2 bits, je peux compter jusqu'à 3. C'est-à-dire que la machine, on peut faire que des calculs jusqu'à 3. Donc si je veux aller jusqu'à 4, donc je vais avoir besoin du troisième bit. Et le troisième bit sa valeur est 4. Donc là si je mets 0, 0, là j'ai la valeur de 4. Donc si je veux un 5, donc je vais avoir besoin de ce bit là qui sera à 4. Celui-là, donc 4 plus 2, j'en ai pas besoin. Je le mets à 0. Et celui-là, je vais le mettre à 1. Parce que 4 plus 1, ça fait 5. Donc je continue. Si je veux le chiffre 6, donc pour avoir le chiffre 6, il me faut 4 plus 2. Donc 4 plus 2. Donc je le mets à l'état 1. Et lui, je le mets à 0. Ça me fait la valeur de 6. Donc on va continuer. Donc si je veux la valeur de 7, il faut que je rajoute ce 1. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Donc avec 3 bits, je peux compter que jusqu'à 7. Donc si je vais aller au-delà de 7, il me faut un quatrième bit. Donc si je mets ce bit là, et ceux-là je les mets à 0, j'aurai la valeur de 8. Donc je vais continuer. Continuer jusqu'à 10 pour bien... Montrer les choses. Donc après, là si je veux le chiffre de 9. Donc 9 c'est quoi? C'est donc le quatrième bit dont sa valeur est 8. Et le premier bit dont sa valeur est 1. Car 8 plus 1, ça fait 9. Et donc les bits du milieu ils servent à rien, ça fait 0. Donc là je viens de trouver le chiffre 9. Donc je vais continuer jusqu'à 10. Parce qu'après ça va dépasser. Donc le chiffre 10, c'est quoi C'est 8 plus 2. Donc il faut le quatrième bit, il faut que je le mette à l'état 1, à l'état haut. Et le deuxième bit il faut que je le mette à l'état haut. Donc 8 plus 2, 10. Voilà. Donc là, on vient de compter jusqu'à 10. En binaire donc là comme tu peux le voir je vais peut-être un petit peu mieux l'expliquer parce que là j'étais un petit peu trop rapide peut-être mais lorsque tu as un bit là nous notre but c'est de le convertir en base 10 c'est comme ça que nous on compte l'être humain de base il compte en base 10 la machine elle, elle compte en base 2 donc comme on l'a vu le bit peut prendre que deux états 0 ou 1 soit il y a un potentiel soit il n'y a pas de potentiel au niveau électrique donc s'il n'y a pas de potentiel j'avais de 0 si un potentiel sur un bit j'avais de 1 et donc après pour faire des chiffres plus grands j'ai besoin de rajouter des bits et donc pour connaître euh, si tu tu as 8 bits ou si tu as 16 bits pour savoir quelle est la valeur du bit par exemple numéro 6, quelle est la valeur du bit numéro 8, et eh bien il faut que tu portes du bit numéro 1 sachant que lorsque l'on compte avec les bits comme ça, on compte de la droite donc ici vers la gauche, d'accord À droite, on a le bit de poids faible, à gauche, on a le bit de poids fort, ça c'est très important parce que sur le tableau c'est bien marqué. D'un côté, il y a les bits de poids fort et de l'autre côté, il y a les bits de poids faible Donc là, si je veux savoir quelle est la valeur de 2, bah, c'est pas compliqué, je fais donc tu peux le faire à la calculatrice, je fais cette valeur là que je multiplie par 2, donc 1 fois 2, bah ça fait 2. Donc pour le bit, pour le troisième bit, quelle est sa valeur en base 10 bah C'est pas compliqué, je fais 2, donc la valeur qui a juste avant que je multiplie par 2. Faut savoir que pour faire la conversion des bits, donc qui sont en base 2, pour les convertir en base 10, il faut juste multiplier par 2 à chaque fois. Donc là par exemple, le bit numéro 4, je prends la valeur qui a juste avant, donc la valeur du bit numéro 3 que je multiplie par 2, ça fait 8. Pour le bit numéro 5, je prends la valeur de 8 que je multiplie par 2, ça fait 16 pour le bit numéro 6, je prends la valeur donc du bit numéro 5 en base 10 qui est de 16 que je multiplie par 2. Ça fait 32. Donc là je vais faire pareil. Donc là je prends la valeur du bit en base 10 de 6, que je multiplie par 2, ça fait 64. Et là, je fais la même chose. Donc le bit, donc sa valeur, le bit 7, 64 multiplié par 2, ça fait 128. Donc là, on peut aller comme ça jusqu'à 16 bits, si on veut. On peut aller loin. Après, il y a des logiciels pour faire les conversions automatiques. Hein. Donc, avec 8 bits, la valeur minimum, donc c'est 0. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de savoir quel est le chiffre maximum que l'on peut mettre dans 8 bits. Donc ça, on va le voir maintenant. Donc ça, je l'efface. Donc, si tu mets un... Partout, donc c'est un peu notre écran LCD qui serait raccordé en 8 conducteurs. Donc la valeur, donc là je vais mettre un égal. Donc comme j'ai converti les bits en chiffres, passe 10, et eh bien comme tous les potentiels sont à 1, mais eh je vais faire 1. Donc, je commence par le bit de droite qui est le bit de poids faible, mais je peux faire les additions aussi en commençant par la fin, hein, c'est pas un problème. Plus 2, plus 4, plus 8. Plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Donc sur 8 bits tu peux avoir la valeur maximum de 255. A noter que cette valeur ressemble fortement à la sortie PWM qui va de 0 à 255. Donc ça serait une sortie sur 8 bits. On voit que l'entrée analogique sur l'Arduino va jusqu'à 0023. Donc on voit que à l'intérieur de l'Arduino, bah, c'est codé au-dessus de 8 bits. Donc on peut faire le test. Je vais rajouter une colonne là. Donc je vais faire donc je vais rajouter un bit, 9 bits égale 128 multiplié par 2, entrée. Donc si je je rajoute 1 ça fait donc 256 je vais rajouter ici plus 256 ça nous fait une valeur de 511 c'est pas assez donc on va rajouter encore un bit donc là on va mettre sur 10 bits donc 10 bits en base 10 ça fait quoi ça fait 256 multiplié par 2 ça fait 512 donc je vais rajouter 1 pour avoir la valeur maximum et ça va nous faire plus 512 entrée et là on voit qu'on est sur 1023 donc on voit que sur l'entrée analogique de l'arduino en tout cas à l'intérieur là le convertisseur analogique numérique et eh bien il est sur 10 bits donc on a vu que pour euh, les sorties PWM, c'était codé sur 8 bits. Sur les entrées analogiques, on est sur du 10 bits. Donc voilà, donc après sur les bits, on peut aller très très loin. Hein, parce qu'actuellement, sur les cartes graphiques euh, haut de gamme, on est à plus de 350 bits. Donc au niveau des chiffres, ça fait des chiffres, euh, des nombres monstrueux. Quoi. Et donc, pour revenir à mon exemple qui est ici, donc je vais, je vais le sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Donc cet exemple-là a été relevé sur mon tableau. Donc là, je vois que le bit numéro 1, il a 1. Donc je fais 1 plus le bit numéro 2 qui a 2 plus 4 plus 8 plus 16. Donc là, le 32, on voit qu'ici là j'ai 0 donc je suis là je le compte pas par contre celui là il a 1 donc je prends celui là 64 plus 128 parce qu'il a 1 j'appuie sur Entrée, et ça me fait la valeur de 223 donc maintenant que j'ai ma valeur de 223 donc ça ce chiffre là 223 et eh bien ça va être le symbole de Celsius parce que le constructeur lui pour économiser de la place il a pas marqué euh, à chaque lettre correspond un nombre il le marque en binaire après c'est à la personne de se débrouiller après il faut savoir l'utiliser le problème c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi dessus ou s'il est il est en anglais j'ai rien compris donc on va le voir après mais que euh, l'Arduino grâce à ce chiffre là 223 on on va pouvoir afficher le symbole degré Celsius. Donc là je vais prendre un autre exemple au hasard qui va être le symbole spécial qui est homme. Donc homme qu'est ce qu'on voit On voit que sur les bits de point faible, on a LHL donc low height low low. Donc c'est 0 1 0 0 donc ça je l'efface. Ça je l'efface. Donc point faible, j'ai dit 0 1 0 0. Donc les bits de point faible, c'est la partie grise ici, c'est les 4 à droite pour du 8 bits. Donc c'est bien ça 0 1 0 0. Et là après on va aller voir les bits de point faible. Donc c'est 1, 1, 1, 1. donc tout elle est à l'état haut donc là c'est facile donc les bits de poids fort c'est cela que là je suis sur 8 bits donc 1 1 1 1 et donc après j'ai plus qu'à faire le calcul donc celui-là il a 0 donc je le prends pas celui-là il a 0 je ne le prends pas celui-là il a 1 donc c'est 4 plus donc celui-là il a 0 je le prends pas celui-là il a 1 je le prends donc plus 16 celui-là il a 1 donc plus 32 celui-là il a 1 donc plus 64 celui-là il a 1 donc plus 128 égal et donc là j'ai la valeur de 244 et donc ça c'est le symbole homme donc maintenant qu'on s'est récupéré donc les symboles sur le tableau du datasheet qu'on sait récupérer ces symboles en code binaire et qu'on sait les convertir en chiffres sur base 10 on va pouvoir aller du côté de la programmation sur l'Arduino pour afficher ces symboles sur l'écran lcd donc à noter aussi qu'on peut directement afficher les caractères spéciaux sur l'écran lcd directement à partir du code binaire sans faire la conversion c'est à dire sans le convertir en nombre sur une base 10 et donc ça c'est quand même très important à savoir faire car c'est la base du numérique donc ça c'est important à savoir pour plus tard pour les bus de communication donc, comme tu as pu le voir, la méthode que j'ai présentée avant elle est très simple, c'est-à-dire que tu as juste besoin de savoir faire des additions et des multiplications par deux, donc c'est accessible à quelqu'un qui est à l'école primaire. Le gros problème c'est que sur 8 bits ça pose pas de souci mais si tu veux savoir quelle est la valeur maximale que tu peux mettre. Par exemple, sur 32 bits, ça veut dire qu'il va falloir que tu marques ton bit numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 32. Ça commence à faire beaucoup. Ici, si tu veux aller jusqu'à 64 bits. Cette méthode simple n'est pas viable. Cette méthode simple est très intéressante lorsque tu veux faire des calculs sur 8 bits. Donc, c'est le cas ici parce qu'on fait des calculs pour afficher des caractères sur un écran LCD. Donc, on n'utilise que 8 bits. Donc, l'autre méthode, c'est la méthode qui utilise des puissances. Donc, ça déjà, tu le vois pas à l'école primaire. Tu vois la puissance carrée, je crois, au cours collège et après les autres puissances je sais plus si on voit ça au lycée ou au collège je me souviens plus donc là on part toujours du même principe donc on calcule toujours de droite à gauche et par exemple donc là j'ai mon premier bit deuxième bit troisième bit quatrième bit cinquième bit etc jusqu'à 10 bits donc on sait que un bit peut prendre que deux états 0 ou 1 donc il n'y a que deux possibilités donc on fait 2 puissance 0 donc 2 puissance 0 ça fait 1 c'est pas comme si on faisait 2 multiplié par 0 2 multiplié par 0 ça fait 0 mais 2 puissance 0, ça fait 1. Et donc là, pour mon deuxième bit, donc on parle d'ailleurs de poids des bits. Quand je dis que le bit 2 a une valeur de 2, en réalité, son poids c'est 2. Le bit 7, son poids c'est 64. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier à utiliser comme terme, en tout cas en français. Donc là, le bit numéro 2, et eh bien son poids, donc sa valeur, en chiffre en base 10, ça va être 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, c'est 2. Donc si tu as une calculatrice scientifique, tu as le symbole chapeau là. Ça c'est puissance. Donc là, si je prends mon troisième bit, le troisième bit c'est quoi Donc ça va être toujours avec la valeur. De 2, parce que le bit lui change pas, il prend que 2 états 0, 1. Par contre, ça va être 2 puissance 2. Et 2 puissance 2, c'est comme si tu faisais 2 fois 2 dans ce cas-là. Et ça fait 4. Pour le quatrième bit, et eh bien ça va être 2 puissance 3. Donc 2 fois 2 ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc c'est comme ça que l'on peut le calculer si on n'a pas une calculatrice scientifique avec la fonction puissance. Pour le bit numéro 5, ça va être 2 puissance 4. Donc ça va être 2 fois 2 x 2 x 2. Et bien ça fait 16, etc. C'est-à-dire que pour le bit 6, ça va être 2 puissance 5, ça fait 32. Donc là, j'ai utilisé la calculatrice pour éviter de dire 2 fois 2 x fois 2 fois 2. En gros, tu fais 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Ici, ça sera 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc après, au bout d'un moment, sur 32 bits, si tu veux le faire 31 fois, c'est... On revient au même problème que la méthode précédente donc là on va utiliser les puissances de la calculatrice donc là c'est la calculatrice de windows qui est en mode scientifique donc affichage standard affichage scientifique on a même un affichage programmeur Mais bon nous on va utiliser l'affichage scientifique et donc je prends le cas donc du 6 bits 2 puissance 5 donc je fais 2 donc ici il n'y a pas le petit chapeau ici là on a la puissance au carré donc xy puissance 5 ça fait 32 bits donc là on va faire euh, le 7 bits donc là avant de faire le calcul j'appuie sur le CE pour Bien effacer la, la valeur donc je fais 2 puissance 6 et ça fait 64 donc j'efface bien donc je vais faire pour le 8 bits donc c'est 2 puissance 7 égale ça fait bien 128 j'efface pour le 9 donc 2 puissance 8 2 puissance 8 ça fait 256 pour le 9 bits et pour le 10 bits ça fait 2 puissance 9 en gros c'est quand tu effaces il faut appuyer sur le c là clear donc 2 puissance 9 ça fait 512 et donc si je veux connaître la valeur donc 6 bits donc euh, du poids fort du bit parce parce que bon, je l'ai pas trop dit là, mais lorsque l'on dit bit de poids fort, bit de poids faible, le bit de, de poids fort c'est toujours le dernier bit. Par exemple, si on est sur 8 bits, le bit de poids fort ça sera celui-là, le 8 bit qui aura la valeur de 128. D'accord, si je suis sur 10 bits, le bit de poids fort c'est le dixième bit qui aura donc euh, comme valeur donc son poids là 512. Et donc sur 16 bits, le bit de poids fort ça va être 2 puissance donc 16 moins ça va faire 15 parce qu'on part de 0 ça va faire 32 768 que j'ai marqué ici et une petite faute et donc après donc pour le 32 bits je vais faire 2 puissance 31 ça va me faire 2 milliards 147 483 648. Et donc comme on avait pu le voir dans les vidéos précédentes sur la à un moment donné, on utilise des variables pour mettre des valeurs en mémoire. Et bien suivant le chiffre que l'on veut mettre, et bien plus le chiffre sera grand et plus il faudra une variable qui puisse enregistrer donc ce chiffre-là. Et donc ça après ça va prendre et bien plusieurs octets dans la mémoire, donc un octet 6, 8 bits. Donc si j'ai besoin de 16 bits, je vais devoir prendre deux octets de la mémoire et si j'ai besoin de 32 bits, ben, 8 x 4 ça fait 32. Donc il va falloir prendre 4 Octets dans la mémoire de l'arduino car on avait pu voir qu'il y avait différents types de variables comme la variable int pour les entiers. On avait la variable long où on pouvait mettre une valeur de plus de 4 milliards de millisecondes. Donc, variable de type long non signée, donc c'était probablement une variable en 32 bits. La variable de type long, donc voilà. Donc, après, je vais rajouter un truc important. Donc, comme j'ai dit, le poids des bits, le bit 6, mais il a une valeur de 32, c'est ça le poids. Donc, le poids fait lui la droite, plus on avance. De ce côté-là, donc vers la gauche, plus le poids des bits est élevé. Donc là, comme on utilise 4 bits pour le tableau que l'on va pouvoir avec l'écran LCD, donc les 4 bits de droite, c'est les bits de poids faible. Et les 4 bits de gauche, c'est les bits de poids fort. Donc après, euh, en France, 8 bits, ça représente un octet. Car comme on a pu le voir, avec un bit, on fait rien. Il faut au minimum 8 bits, comme on a pu le voir sur les LCD, pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc, un octet, c'est 8 bits. Donc ça, c'est en français, parce que en anglais, le terme octet n'existe pas. En anglais, on va parler du terme de byte avec un Y. Et donc, si on le prononce à la française, bah, bit, bit, euh, c'est le même euh, nom, quoi. Donc, euh, en français, c'est avec un bit, c'est avec un i. En tout cas, en anglais, le byte avec un y, ça représente un octet. Et après, lorsque l'on a 16 bits ensemble, on va appeler ça un mot. En anglais, ça sera le terme word. Et lorsque l'on a donc 32 bits, donc ça, tout ça, ça peut être aussi des variables. Une variable sur 16 bits, une variable qui prend une valeur de 32 bits, et eh bien ça sera un double mot. Des words ou double word en anglais. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la conversion des bits en chiffres en base 10. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment sélectionner son caractère dans le datasheet. On a vu comment il fallait faire pour prendre le code binaire qui nous permettra après d'accéder à ce caractère là. On a aussi vu comment convertir le code binaire en nombre classique. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans la programmation de l'Arduino pour pouvoir l'afficher donc sur l'écran LCD. Donc, ça, on le verra dans la vidéo Arduino 86. Alors, voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.